ils sont où tous? Non, mais pleure pas, Caro, non. Il n'y a plus personne. C'est vrai que c'était bien. Mais... qu'est-ce qu'on va faire là? Vous vous en souvenez quand c'était? C'était tellement bien. Non, mais laisse. Notre-Dame, rendez-nous nos prières. You fucked it, friend. Allez, sur les troisièmes, sur les troisièmes, à l'air. Allez, sur les troisièmes, sur les troisièmes, à l'air. Les petits jeunes, je suis bien content de vous retrouver, ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est vu forcément depuis ce confinement. J'ai noté au tableau, on va pas perdre de temps parce qu'il ne reste plus vraiment beaucoup de semaines pour nous. J'ai réactivé donc les notions que nous avons vues donc, avant le confinement en géographie et donc vous avez ici présenté, comme vous le vous pouvez vous rappeler, Mathy, tu nous rappelles, comment appelle-t-on cette zone en rouge? Oui Louise? La diagonale du vide, parfait, la diagonale du vide. Alors pareil, petit rappel éventuellement, je vais m'adresser à Hugo. Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler la ville qui est située ici, s'il te plaît? C'est simple, Hugo, hein. Fais un effort, s'il te plaît, merci. Les autres? Madame Veillet. Vous-même, vous ne le savez pas, Madame Veillet, c'est honteux, véritablement. J'ai demandé à Dorian. Dorian, est-ce que tu peux me dire la ville qui est située ici, s'il te plaît? Non, ce n'est pas Toulouse. Bon, je pense que le confinement, forcément, a été dramatique pour tout le monde. Je vais rester calme, forcément, on va rester calme. J'ai vraiment le sentiment que c'est compliqué. Donc, c'est diagonale du vide. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette diagonale du vide? Dans le fond, Pierre. Non, mais non, non. Arrête, Jean-Charles. Quoi? Ils sont partis. Ils ne reviendront pas. C'est fini? C'est non. Fini? Ça va, ça va.